Non, non, tape un peu vers le bas pour que ça. Voilà, et toi, ça repousse à la fin. J'ai mis la botte de paille dedans pour construire une nouvelle école. C'est chouette d'avoir une nouvelle école. Oui. À Villeneuve, le groupe scolaire Lavoisier, avec ses 210 élèves, date de plus de 40 ans. Sa réhabilitation était donc attendue avec impatience par les habitants. Je passe tous les jours devant et je regarde avec attention tout ce qui s'y passe. Il s'y passe des choses, mais peut-être pas encore assez rapidement. On a très envie, on a hâte que ça arrive plus vite, quoi. Non, non, bien sûr que c'est avec impatience qu'on attend le nouveau Lavoisier. Cette construction se veut exemplaire et écolo. On a repris au maximum le bâti ancien pour économiser les matériaux. Puis les murs seront construits avec de la paille. La paille, c'est un bon matériau parce que c'est une ressource locale, parce que ça se trouve sous le sabot d'un cheval. Et aussi parce que ça a des bonnes vertus d'isolation. L'inconvénient de la paille, c'est que pour bien isoler, il faut que ce soit épais. Donc ça consomme un peu de surface. Mais à part ça, que des qualités. Pour la mairie, ce nouveau bâtiment, c'est tout un symbole. On est là dans la réhabilitation d'un grand quartier, Villeneuve, grand quartier populaire, presque 10 000 habitants ici à La Rochelle. Et ce quartier, nous faisons une opération de renouvellement urbain, c'est-à-dire de faire des nouveaux espaces publics. Mais on a voulu envoyer un premier signal avec l'école, puisque l'éducation, c'est ce qui est au cœur de tout. Et cette nouvelle école, c'est pour nous l'emblème de la réhabilitation du quartier. Sur les visuels de simulation, le Lavoisier de demain a fière allure. Toutefois, ses futurs occupants devront patienter. L'ouverture est prévue à la rentrée 2023.